de 25 ans que je fais ce métier. Et à chaque rentrée, c'est comme la première. J'ai le crâne. Nous avons beaucoup d'étrangers. Grimbert, Zulowski, Cowell. C'est quand même un point mort dans une classe. Eh bien, mesdames, mesdames. Alors, ils en sont à combien? 14 élèves, madame la directrice. Non mais c'est incroyable, c'est insensé. Nous sommes en guerre, madame la directrice, tout est possible. Tous les absents sont des tioupas du quartier. Et attendez, c'est pas fini. Cowell, Volinsky, Grimbert, Feldman, Moati, je continue. Pourquoi tout de suite parler de rafle? Et d'abord, quelle rafle? Quelle preuve avez-vous? Une école sans élèves! C'est comme un océan sans enfants! Mais en continuant à enseigner, nous résistons au pouvoir. Tous les opposants au régime sont arrêtés. Rejoins-nous, Gisèle. Ce 2 octobre 1942 fera date dans les annales de l'éducation nationale. 109 petites filles de l'école Victor Hugo n'arriveront jamais, jamais